patoche, en train de manger des glaces. Elle est en train de kiffer. Au début, je voulais l'amener dans un manège, mais je me suis dit, elle est trop petite. Elle va pas comprendre. Et elle va pas s'amuser. Par contre, ça, elle va kiffer. Donc, depuis tout à l'heure, la glace, elle était haute comme ça. C'est elle qui mange tout. Hein. C'est elle qui mange tout. Un match. Tellement. Yo, comment tu vas? Est-ce que tu te souviens de cette vue? Je suis de retour. Bah écoute, les gars ils m'ont rappelé. Hein. Les gars ils ont vu le CB. Et je pense qu'ils étaient dans le besoin. C'est même pas que je pense, j'en suis sûr. Donc là ils m'ont appelé pour m'entretenir avec eux. Bah on va voir. Je vais leur raconter mon histoire. Et on va voir ce qu'ils disent. Donc je te tiens au courant après l'entretien. Là il est quelle heure? Là il est 9h21, j'ai rendez-vous à 9h30. Il y a du thé là, je mets ça un peu dans ma bouche pour m'échauffer la voix. Et après on y va. Donc à tout à l'heure. Ouais, donc je poursuis par rapport à l'entretien. Donc l'entretien, à mon avis, s'est bien passé. Bah, j'aime bien dire à mon avis parce que quand je fais des entretiens, je sais jamais. La plupart du temps, je pense que ça s'est bien passé. Et au final, c'est moi qui me... Ben voilà, j'ai l'impression qu'on me l'a mis à l'envers. Donc là, pour moi, ça s'est bien passé. J'ai bien discuté avec le responsable. Et maintenant, j'attends sa réponse. C'est un poste de préparateur et là il y a vraiment des responsabilités et c'est vraiment intéressant parce que là c'est vraiment tu viens, t'as pas de manager, c'est toi qui vas te manager tout seul, c'est toi qui vas manager tes véhicules et c'est toi qui dois même faire tes commandes de matériel, des trucs comme ça, faire ta liste. Après franchement, je te dis franchement, j'adorerais le challenge. J'adorais le challenge parce que moi je vois pas le travail comme un job en fait, parce que à la base le job je veux pas en faire, je veux pas vendre mon temps contre de l'argent, juste contre de l'argent. Je veux vendre mon temps pour du développement, de l'apprentissage, des challenges, de l'argent, de l'évolution, plein de choses, pas pour qu'une seule raison qui est l'argent, mais plein de choses. Donc c'est ce qui s'est passé avec cet entretien et espérons que ça aboutisse dans la direction que je souhaite. Donc on verra si ça convient à l'entreprise et je te tiendrai au courant. Donc dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses, quels conseils tu peux me donner par rapport à cette recherche d'emploi, par rapport à toi, où est-ce que tu travailles et dans le travail que tu fais, est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que vraiment tu te développes? Est-ce que vraiment tu évolues? Ou tu fais tout simplement que prendre ton bif et partir? Tiens-moi au courant, dis-le-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Je te dis à bientôt, n'hésite pas à t'abonner, à souscrire, faire ce que tu veux, t'es pas un robot. Peace!